Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un big haul spécial beauté. Donc il y a du Sephora, il y a des pop-up, il y a du un peu Lafayette, du printemps, surtout du pop-up d'ailleurs. Donc les Sephora c'est gold, il y a également aussi Sephoria. Je suis vraiment en retard, ouais. Et t'as, ouais, comme j'ai dit, les journées gold. J'ai vraiment du retard. Hein. J'ai même aussi les anciennes soldes là d'été. Et aussi du. Comment ça s'appelle? Ouais, des exclus promotions sur le site. Sur les sites. Donc c'est parti. Alors, déjà ici, j'ai du Sephora. Mais je crois que c'est mes soldes de Noël. Je sais plus du tout. Ouais, c'est mes soldes. Et encore, j'en ai en bas. Mais bon. Allez, je commence. Alors, déjà pour les cadeaux gold, ça c'était l'année dernière. Maintenant, les cadeaux gold, ils sont nuls. Et en plus, j'ai pas réussi à avoir celui de cette année. J'ai pas réussi à avoir les produits de Drunk Elephant. Je suis dégoûtée. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai pris le kit Sisley. Je crois que c'est pour. Pas Sisley. Oh, je sais plus. Enfin bon, je vous montrerai. Je crois que c'est pour les cheveux. T'en as un autre. J'ai pris, je sais plus. Enfin bon. Et une fois, ils m'ont dit à la caisse, vu que je voulais annuler, oui, vous inquiétez pas, ça a été annulé. Vous êtes sûr? Parce que après, ça va me retirer le cadeau. Parce que j'avais trois cadeaux à récupérer cette année. Vu que quand tu cumules, je crois, ouais, 1000 points. 1000 points, donc à chaque fois bah tu cumules, et je crois ils m'en ont supprimé un, et l'autre, le deuxième cadeau, je sais plus ce que j'ai pris. Enfin bon, je vous montrerai. Donc c'est parti. Déjà l'année dernière, j'avais pris ce cadeau, c'était un des meilleurs cadeaux hein. Donc c'est un coffret parfum Jo Malone, trop beau. Alors j'aurais dû allumer la lumière. Ouais, c'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Bon, c'est en anglais. Il y en a un qui est au bois de sauge et sel de mer. Il y en a un qui a la poire anglaise et freesia. Ok, ils sentent bon. Hein. De toute façon, les Jo Malone, ils sentent tous bon. Et c'est mixte. Donc voilà, même mon frère il en raffole, mais cette fois je le garde. Une fois je lui ai donné un coffret de au moins 6 petits parfums ou 7. C'était il y a 2-3 ans. Il n'a pas tout mis et il les perdait, il n'en prenait pas soin. Bon, bref. Cette fois-ci, je garde. Alors, cette fois, il y a du Bluebell Sauvage. Blueberry Baie Sauvage, ouais. Et l'autre, c'est quoi? Cologne. Là, bah, bref. Et l'autre, c'est. Ouais, de la sauge, bois de sauge et sel de mer. Ok. Donc voilà, trois sortes de parfums. Et c'est pas mal. J'aime beaucoup. Le coffret est magnifique. Ça me fait un deuxième coffret, du coup. Ensuite. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ouais. Après, c'est le où je vais placer tout ça. Je crois qu'on m'a offert des trousses. Je sais plus où je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu à. Ouais, bon. J'ai eu cette trousse. Jo Malone encore. Ensuite. Il y en a. Bon, il y en a, c'est du Sephora, il y en a, c'est des outlets là. Dans l'outlet de. Comment ça s'appelle? Estée Lauder? Enfin bon. Donc, j'ai eu cette belle trousse, Estée Lauder. Et dedans, il y a quoi? Elle est trop belle la trousse. Elle est belle, mais elle est en tissu. Tissu British. Ah oui, et là, j'ai plein de produits offerts. Ils m'ont donné là des produits. Darphin.
Donc là, j'ai un lait démaquillant, une tonique. Une tonique, ça c'est quoi? Un sérum. Je crois que j'ai d'autres trucs, mais bon. Là, j'ai quoi? Hydratation crème. Et là, j'ai un nettoyant baume. Ok. Bah, j'espère qu'il enlève le maquillage, hein, parce que j'en cherche partout. Ah, il est parti, ouais, il est parti, c'est bon. Ça, c'est quoi? La trousse, c'est écrit quoi? Recycler. Ok. Ok. Ah non, je crois que dans l'outlet, je crois que si tu achetais des petits trucs qui étaient à entre 5 et 10 euros, tu avais la trousse offerte. Et je crois qu'il y avait un 1, 2, 3, 4. Ouais, il fallait prendre 5 produits et ça te faisait moins cher, genre peut-être 30 euros, je crois, hein. Et la trousse offerte, le meilleur. Donc voilà. Ensuite, ça c'est les outlets, hein. Bon, revenons à Sephora. Alors, ah mais ça aussi, je crois, j'ai pris là-bas. Dans l'outlet. Je vais voir, Luxe High Chic, ouais. Bobbi Brown, j'ai pas beaucoup de choses d'eux. Mais apparemment, la poudre, elle est magnifique. C'est ce qu'utilisent certains acteurs. Donc voilà, ça, c'était une palette de Noël, on dirait bien. Et bien sûr, ouais, je crois pas qu'ils sont chez Sephora. Donc voilà. Magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Tu as combien? 4 métalliques. Et 2 pharma marron. Et au milieu, le meilleur highlighter blush ou alors, légèrement rosé. Trop beau. Ça, c'est une belle pièce de Noël. Trop belle. Ça, je vais la mettre sur Insta, hein, parce que c'est magnifique. Ensuite, la boîte, elle est là. Hop. Ensuite, j'ai pris quoi? Ah oui, ça, c'était les soldes d'hiver. Ça se voit bien. Alors, c'est un kit. Attends, comment dire? Café gommage. Attends, c'est pour. Oh là là, moi je prends des kits. Je crois que c'est pour le corps, ouais. Booty. Pour les fesses? Non. Booty drops with. Ah non. Ok. C'est ouais pour le corps et c'est un highlighter. Pour le corps, booty drops. En. Comment dire? Ah oui, le scrub, le gommage, il est en sachet. Et plus ça, tu as deux produits. Et drops, comment on dit les. Pour faire les gouttes là. J'ai oublié, oh là là. Moi, il a mémoire. Hein. Donc, pailleté. Elle est shimmer. Doré pour le corps. De toute façon, ça, c'était les trucs de Noël. Donc voilà, ensuite. Je mets là. Du bio chez Respire. D'ailleurs, chez Respire, je suis allée au pop-up. Ils ont donné une trousse tôt le matin et j'étais déçue parce que bon, il fallait acheter quelque chose pour avoir la crème offerte. Donc voilà. Donc la trousse, elle est waterproof. On dirait bien, c'est, on dirait les trousses de piscine. Donc voilà. Et bon, ils étaient sympas, ils ont offert le cookie, les boissons que j'ai pas pu avoir vu que ils offraient que pour les derniers dans la queue. Et heureusement, moi, voilà quoi. J'ai essayé de m'en servir de l'intérieur. Donc voilà, belle trousse. Et plus, là, tu as le coffret de Noël. Donc là, tu en as pré-shampoing solide. Shampoing solide et. Savon sur gras. 14 euros les 3 au lieu de 20, 21 euros. Routine capillaire solide. Trop bien. Bio.
Ensuite, et je crois il y en a, ils ont disparu, hein. Je sais pas s'ils sont encore là. Donc voilà, ensuite j'ai pris quoi? J'ai pris. Ah mais ça aussi, je crois j'ai pris chez eux là, dans la outlet. Ah mais j'ai tout mélangé, hein. Du Sephora, du outlet, des pop-up, j'ai tout mélangé. Donc là, c'est une crème poudre fond de teint. Ah bah oui, voilà. C'est ça que je voulais tester. Crème tout poudre. Ah oui. C'est une crème qui devient poudreuse sur la peau. Ça, c'est très connu, mais c'est très rare dans le maquillage et c'est spécial hein, parce que ça permet de ne pas briller au fil de la journée. Donc voilà, Effinima naturelle, couvrance moyenne modulable. Donc voilà, top. Top, top, top. Est-ce que j'ai pris un autre? Ouais, j'ai pris un autre truc apparemment. Ah bah dis donc. Non, je crois qu'il y avait de la promo. Il fallait prendre plusieurs produits pour avoir les. Plus tu achètes en outlet plus de produits et plus tu as la réduc. Moins tu en achètes, moins tu as de réduc. Et moi, je voulais avoir plus de réduc comme ça. Par exemple, ça, peut-être je l'ai payé à 15 euros au lieu de 30 euros. Donc voilà, ça aussi, c'est un fond de teint poudre. Ah oui, l'autre, c'est la crème et là, c'est la poudre qui va avec. Ok, très bien. Et là aussi, tu as un autre MAC. C'est une base visage primer. Donc voilà. En fait, j'ai acheté une belle routine. Et plus la palette. Magnifique. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est Victoria, ça? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est. Ah, c'est les outlets Etam. Bon, j'ai pris un soutif, hein. Sandy. Je l'ai testé, il me va bien. Heureusement. Bon, ça, c'est pas du maquillage. Hein. Allez, hop. Tout est mélangé. C'est pas possible. Alors, le Hangover de Too Faced, c'est un. Ah oui, c'est le nettoyant. Attends, fais voir. Ah, mais je l'avais déjà. Oh non. C'est un nouveau en fait. Je crois c'est un deuxième. Je sais pas si c'est le même d'ailleurs, parce que j'en ai fini un hein, et j'ai eu du mal à le finir parce que bon là ça devient sale vu qu'il faut le tourner pour que ça sorte et faut appuyer, faut presser aussi. Et ouais, en fait j'ai du mal à enlever le maquillage avec. Bon, je l'ai pris vraiment pour parce que c'était soldé quoi. Ah oui, et si tu achetais 3 produits, tu avais encore 20%. 20% de réduc. Du coup, ça m'a fait moitié prix, genre 15 euros. Enfin, même moins, je crois. 19, non, 15, 17 euros. Bon, enfin, j'ai ticket de caisse là-bas. C'est pas grave, ça. Ouais, j'ai dû acheter 3 produits. Là également. Faut pas croire ici, vu que quand tu achètes 3 produits. Ah oui, à l'époque, il y avait 3 produits achetés et tu avais une autre démarcation, genre ça faisait presque 50%. Donc ça, c'est le soin hydratant protecteur 25%, la crème. Toujours Hangover. Et là, j'ai le kit Merci Andy. Ah oui, et les comment s'appelle les démarquages, enfin les démarquages ne marchaient pas sur les kits, mais bon, j'adore les coffrets. Donc là on a 3 cotons réutilisables plus une lotion purifiante et plus une crème matifiante. Donc ça c'est bien cocooning à la maison, très bien, top. Donc voilà, ensuite ça c'est où? Body wash. Je me rappelle pas l'avoir acheté, ça on me l'a donné, je sais même plus. Donc Origins qui se fait très discret et je me demande s'il a été retiré d'ailleurs de Sephora parce que je le vois plus hein. Et je sais plus si je l'ai pris au Estée Lauder ou pas. Et c'est un ouais, gel au gingembre. Gel douche gingembre. Donc voilà, je crois que je l'ai pris au outlet. Et ça. Ah voilà, j'ai dû prendre ouais, 3 produits pour avoir la démarcation.
Donc du coup, là, t'as, bon, là, t'as déjà moins 50%. Du coup, ça m'a fait encore moins cher. Ça m'a fait peut-être 15 euros ou... Ouais, 15 euros. Le fond de teint de Tarte de la collection Si. Et il en restait très peu des couleurs claires. Donc voilà, le truc qui date, hein, je vous le dis. Je remets tout dedans. Hop. Allez. Ça aussi. Je mets derrière. Trop de trucs à vous montrer. Je vous raconte pas. Allez. Fiona Franchimont, elle est passée à comment s'appelle à Lafayette. Elle nous a offert ça en personne parce qu'elle a créé la fameuse barrette qui permet de ne plus attacher ses cheveux vu que ça les abîme avec l'élastique. Mais elle a une sorte de barrette d'une pince. Enfin, c'est pas une pince, c'est une barrette plutôt. Qui permettent de faire des demi-queues, des chignons, des bananes, elle fait tout quoi. Elle fait tout avec les cheveux, c'est incroyable, elle maîtrise trop. Donc, stand de coiffure Lafayette, au moins un. Donc, elle nous a offert une pochette en velours rouge. Très beau. Elle est très gentille en tout cas. Et ensuite. Quoi d'autre? Creed. J'avais un petit comment s'appelle un petit oh là là. Ah ouais, ils m'ont offert le foulard, je suis trop contente. Trop contente, Creed. Trop beau. En fait, il y a deux nouveaux parfums qui sont sortis. Centaurus et l'autre, j'ai oublié. J'ai oublié c'était quoi. Ouais, je crois que j'ai les. Je sais pas si j'ai les. Les comment s'appelle les. Les échantillons. Ah ouais, j'achète plus trop de parfums parce que j'en ai trop. Comme vous voyez, je suis vachement débordée. J'achète plus trop. Et enfin débordée. J'ai trop de collections. Du coup, je me suis calmée au niveau des achats. Ça, je ne peux. Avec Clarins. Voilà, ça aussi et ça aussi. Ah ouais, ils ont bien scotché. Hein. C'est du papier ou pas? Ouais. Creed est bien sûr le fameux parfum de. Oh là là, il m'en a donné beaucoup, hein. Il m'a donné beaucoup d'échantillons. Oh là là, j'étais gâtée. Bon, je les sors pas trop. Il y a Centaurus et l'autre, j'ai oublié le nom. Je sais pas s'il y a les noms dedans. Non, il n'y a pas. Hein. Ah bah dis donc, il y a un roman, carrément. Et c'est en anglais. En anglais. Unique process parfum. Ok. J'ai pas le nom, ouais. J'ai. Attends. Ah, 1780. On m'a dit que c'était le parfum de quelqu'un, mais je sais plus qui. Je sais plus qui, mais je sais que le parfum Fleurissimo est le parfum de Grace Kelly. Et je crois pas que je l'ai là. C'est pas grave. Attends, Florissimo, est-ce que je l'ai? Ah voilà. Attends. Ça c'est quoi? Aventus? Ouais. Aventus et Centaurus sont les deux nouveaux parfums qui sont sortis. Et moi, par contre, j'ai préféré le Centaurus, je crois. Il est rouge, je sais même plus. Encore 1700.
Ah voilà, Santorus, c'est lui. Il sent trop bon. En fait, il sent la cannelle et moi, c'est ce que je recherche, des senteurs épicées et boisées. Donc voilà, bon, je mets tout là. Hein. Voilà, c'est que des échantillons, hein. Je vais pas tout montrer. C'est pas très. Voilà. Donc voilà, avec le foulard, c'est sympa. Offert. Ça, c'est quoi? Ok. Quoi d'autre? On nous a offert quoi? Ah ouais, ils nous ont offert plein de trucs. Hein. C'est un truc de fou. Ça, je vais le mettre là. Ça ici. J'arrive plus, hein, franchement. Après, chez Clarins, j'ai fait une masterclass chez eux pour la nouvelle gamme sortie Precious. Et du coup, on nous a offert. Franchement, ça fait du bien de faire des masterclass. Le soin est offert. Le rituel, on nous fait un rituel complet. C'est un truc de fou. Voilà. Et bien sûr, j'ai du mal à ouvrir ce sachet. Attends. Voilà. Allez. Alors, ça c'est quoi? Celui-ci, c'est la crème. Ok. Je monte tout. La lotion. L'huile en sérum. Une huile à lèvres. Donc voilà. Ça c'est quoi? C'est un miroir, je crois. Dans un beau pochon. Très beau miroir, Precious. Donc voilà, ça double un grossissant et un normal. Ça c'est quoi? Ok. Ah oui, ça, je vais le garder de côté. Ok. Et on nous a offert un coffret. Il est encore tout neuf. Ah bah, c'est la même chose, hein. Crème yeux, la crème et la lotion. Donc voilà, je ne vais pas la sortir, c'est la même chose. Donc voilà, au niveau de Clarins Precious, nouveauté. Trop de trucs, trop. Ensuite, ça, c'est quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ok. Ah oui, il y a un nouveau parfum qui est sorti, ça s'appelle Jubox. Et chaque parfum est en rapport avec une star, une icône. J'en ai eu trois. Ah oui, voilà. Attends, fais voir. Ah oui. Ah oui, avec une musique, pas un chanteur. Une musique, Suite of Lights. Là, j'ai quoi? Feather Supreme. Et là, Nightflow. Donc voilà, au niveau des parfums. Jukebox, c'est spécial, hein. Ah bah dis donc, j'ai encore les odeurs, hein. Ça dure longtemps. Hein. Le truc, ça fait un mois, hein. Je les ai vus, l'odeur est toujours là. C'est dingue. Par exemple, chaque senteur de ma... En fait, c'est un atelier olfactif. Il fallait deviner, les senteurs qui ça peut représenter. Et chaque parfum représentait une chanson. Là, t'as du Bob Marley, Michael Jackson. Bah moi j'ai aimé du coup le parfum qui était relié avec Michael Jackson. Enfin des choses comme ça.
Ensuite, ça c'est quoi? Juliette has a gun. On nous a offert une bougie de la nouvelle collection Ex Vetiver. Donc, elle est comme ça. Elle est verte. Le parfum est déjà vert. Du coup, en rapport... Ah, ça sent bon. En rapport avec la plante. Et plus, bien sûr, l'échantillon. Donc voilà, Ex Vetiver. Là, j'ai eu quoi? Un autre Ex Vetiver. Ça, c'est quoi? Non, c'est un autre parfum. Ok. Ah bah, c'est lui. C'est lui, le parfum. Ils sent trop bon. Putain, il sent encore. Hein. Ensuite, ça, c'est bon. Il y a quoi d'autre? Je note là. Juliette has a gun. Oh, j'ai fait trop de trucs. Laisse tomber. Je suis allée au Lafayette et... Attends, je vais voir ce qu'on m'a donné. Ouais, des fois, on s'inscrit sur Insta et y a, on nous offre des... comment ça s'appelle? Des échantillons, des parfums. Ça, c'est quand on est inscrit. Et là, on m'a donné le nouveau parfum. Les deux nouveaux parfums. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est écrit dessus. Je crois que c'est MLF. My, je sais pas quoi là. Attends, fais voir. Ah, j'ai pas le nom. J'ai même pas le nom. Bon, tant pis. Hein. J'ai pas le temps de chercher. Hein. On va le mettre là. Ça, c'est quoi? Augustinus. Ils m'ont donné là des trucs. Fais voir. Je vais remettre dedans. Hein. Bon, c'est des échantillons, hein. Je vais pas tous les... Hein. Bon, il y en a. Ouais, il y en a, c'est le visage. Et il y en a, c'est les cheveux. Ça va être dur à reconnaître. Hein. Il y en a beaucoup. Ah, ils donnent souvent comme ça. Quand tu fais des achats ou quand tu... T'es, comment dire? Quand il y a des trucs, quoi. Ouais, quand tu fais des achats. Bon, les tickets à poubelle. Ça ici. Ensuite, quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Ça c'est quoi? Ouais, Théo Cabanel, ce sont des parfums de niche. Bon, on découvre. Hein. Offert. Petit échantillon. Quoi d'autre? Mac. Alors. Mac, on m'a donné quoi? Ah, enfin, on m'a donné. Non, j'ai fait mes soldes. Ah. J'ai acheté ça et on m'a donné un échantillon. Enfin, je crois. Hein. Donc, c'est un baume à lèvres. Ah oui, et je crois, elle est pailletée. Elle est spéciale. C'était de la collection de Noël. Donc voilà. T'en fais voir, elle ressemble à quoi? Je vais ouvrir quand même. Enfin, si j'arrive, hein. Oh, j'arrive pas. T'en fais voir. Je me demande. Ah oui. Et ça, c'est la crème quoi? C'est écrit quoi? Crème moussante. D'accord. Ok, c'est pour démaquiller, etc. Et là, je veux voir la teinte du rouge à lèvres. Ouais, c'était l'ancienne collection de l'année dernière, de Noël. Oh là là. Ah oui, la beauté du... Oh là là. Oh, trop beau. Ouais, très beau baume à lèvres. Tu m'étonnes que je l'ai craqué. 16 euros.
Par contre, ouais, je crois chez Mac, il n'y a pas de démarquage, hein. 16,20 €. Donc voilà. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je vais mettre là. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ça c'est quoi? Nocibé, on m'a donné. Je crois que quand tu es bonne cliente ou tu as de la carte fidélité, on te donnait ça. C'était l'été dernier, ça. Donc, pomelo rose et basilic sacré bio. Nettoie et purifie le visage. Mais je sais pas s'il démaquille. Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il démaquille. Donc, voilà. Ensuite, bon, j'ai encore du Juliette Asgun. Apparemment, il y a des choses qui ont coulé. Ah, je crois que c'est le Aven. L'événement Aven qu'il y a eu. À Longchamp, dans le 92, là où je sais plus, Paris 4, à côté. Donc, ça, c'est lequel? C'est le Juliette. Donc, voilà. Ensuite, ah, j'ai encore du Juliette là. Là, tu as du musc invisible. Et là, tu as Ode to Dullness. Voilà, et là, je sais même pas c'est quoi. Ah, des échantillons de chez Bonpoint. Ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Ils avaient fait une nouveauté chez Bonpoint. Ces produits un peu bébé, cocooning. Ah, c'était les derniers, ça. Donc là, j'ai la crème visage. Là, j'ai quoi? C'est plus grand. Crème corps. Ça, plus tard. Ouais, crème corps et crème visage. Et j'ai également le spray solaire. Donc, voilà. Que j'ai même pas utilisé. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Au niveau de Bonpoint. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non. Non. Mercedes-Benz, ils ont fait des nouveaux parfums. J'ai pris les deux. Land et Scie. Donc voilà. Au niveau parfum, je vais mettre un Bonpoint ici. Nocibé plus tard. Ensuite, j'ai pris quoi? Chez Yves Rocher, déodorant baume solide, efficacité 24 heures. Il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. À l'avoine. Donc voilà. Docteur Pierre Rico, lotion peeling nuit, OAH, A, régénérateur et éclat. Régénérante et éclat. Ça, c'est une belle lotion avant de dormir. Très bien. Il est où? Ah voilà, c'est ça. Je cherchais. On nous a donné ça. Il y avait des petits pop-up dehors là. À côté de la Samaritaine. Et on nous a donné ça. Créateur de bien-être. Ce sont des petits parfums d'ambiance. Roll-on bien-être. Bougie de relaxation. Tapis de yoga. Kit de purification. La marque de bien-être. Olfactif qui vous invite à la déconnexion et à l'évasion grâce à sa gamme innovante de produits parfumés et de relaxation. Donc voilà, au niveau de Cocoon Paris. Ah, je fais pas de yoga, mais c'est pas grave, c'est sympa à prendre. Ensuite, quoi d'autre? Ça c'est quoi? Les soldes de Noël, j'avais pris ça. Le fameux pochon kit. T'as la brosse pour le corps et plus les boules de massage là. La poignée de massage à boules. Donc voilà, il n'y a pas de produit avec. Hein. Attends, fais voir. Voilà, là, tu as le produit et là, tu as la brosse. Ah, avec les poils, d'accord. Bon, je l'ouvre pas. Hein. Ça sert à rien. Je vais voir quand même comment c'est. Ouais, c'est simple. Ouais, je vais pas l'ouvrir. En tout cas, c'est celui-ci. Et il était soldé, bien sûr.
Je sais pas si j'ai le prix, non. Eux, ils disent quoi? Body brush et brosse sèche-corps et rouleau de massage corps en bois. Donc ça, c'est bien sous la douche. Oh là là, trop. Des fois, je sais même pas par où commencer. Des pop-up, oh là là. Là, j'ai du pop-up Charlotte Tilbury qui était vers Pyramide à Paris. Du coup, on nous a donné des miniatures à la fin. Ça, c'est un Nighlighter Illuminateur. Illuminateur facile, c'est quoi ça? Ah, c'est le. Je crois qu'il est en stylo ou en crayon.